Donc voilà, donc je pense vraiment qu'on a trouvé le titre de notre vidéo. Premier crash test, ça tourne mal. Ça tourne mal. Très très mal. Bonjour les gourmandises, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire du slime, pas comestible, juste du slime normal. En toute simplicité. Ouais, maman va vous parler un peu de quelque chose. Ah bon? Ben non, en fait j'avais pas grand chose à dire à part qu'on est hyper heureuse de vous retrouver. Et donc avec Loulou aujourd'hui on a fait les magasins. Parce qu'elle voulait un jouet en particulier, une caisse pour jouer à la caissière. Et en fait, là, on avait remarqué dans le magasin de jouets qu'on voulait faire une vidéo. On voulait faire une vidéo de slime. On n'avait pas remarqué qu'il y avait cette boîte de slime. Et on est tombé dessus. Et on s'est dit, faut qu'on fasse une vidéo. Pourquoi pas? Donc en fait, c'est un petit kit qui s'appelle Microplanète, la science visqueuse. Donc je pense que vous pouvez en trouver partout. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une vidéo sur ça. Exactement. Après, honnêtement, on sait pas si ça va marcher. Ouais, on sait jamais, des fois. Donc, on va tester ça avec vous. Donc c'est un kit qui se présente comme ça. Comme ceci. Apparemment, on peut faire plein d'expériences. Je peux dire tous les trucs qu'il y a? Ça va être un peu long. Non, okay. Il y a deux gants parce qu'on n'a jamais une main. Deux gants. Deux gants parce qu'on n'a jamais. Mais on n'a pas une main. Non, deux gants. Donc il y a des gants, il y a des pipettes, il y a des colorants et il y a plein d'ustensiles. Parce qu'avec ce kit, en fait, on peut faire plusieurs expériences. Mais nous, on va se limiter au slime. On commence. Allez, c'est parti. Suivez-nous. C'est parti. Les guerrières. Et voilà les loulous, on est opérationnel. Masque. Gants. Ils me font trop mal aux yeux en fait. Ah. T'as les marques? Je crois que c'est vraiment pour les enfants, c'est pas une taille adulte. Bon, je les garde autour du cou. Donc on a tout le matériel qui est indiqué dans notre petit livret de magicien du slime. Et pour ça, on a du colorant rouge, de l'eau. Oui. Et de l'amidon de maïs. En fait, on fait presque une recette aujourd'hui. Ouais, on fait presque une recette. Sauf que ça ne se mange pas. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, il nous faut, ma loulou, 10 cuillères à soupe. Attention, attention. C'est pas de la soupe. C'est un truc de farine. C'est pas de la soupe, ça. Est-ce que tu es sûre? Tu fais des recettes de cuisine avec moi? Oui, mais ça, c'est pas de la soupe. C'est quoi une cuillère à soupe? Ben ça, c'est une cuillère à soupe. Ah non. Papa, on parle de la cuillère à soupe? Mais oui. Ah, merci. T'avais compris. J'avais compris ça. Donc est-ce que t'as compris? Oui, on va saucer, on va prendre 10 cuillères à soupe d'amidon de maïs. C'est bon? Allez, on compte. Wow. Attends, t'enflamme pas. Voilà, ça c'est une cuillère à soupe. On va accélérer, je crois. Bon voilà, on met le paquet quoi. Ouais, on met le paquet parce que... Voilà, ils auraient pu le dire, ça aurait été plus simple. Hein. On va ajouter l'eau. Tout. Tout. Et maintenant, on va ajouter... Le colorant. Le colorant. Alors attends, je te le mets dans une pipette parce que le colorant s'attache énormément. Et donc là, on colore le slime. On met combien? Je sais pas, mais on voit. Ah oui, bah voilà. Vas-y, mets tout. Attends, on mélange un peu avec la cuillère d'abord, non? C'est du slime. Je crois que ça marche les loulous. Allez, laisse-moi aller. C'est comment? Mais c'est trop liquide, non? Comment on fait si l'expérience rate? Je pense qu'on a raté ce premier crash test, Louane. C'est bizarre, montre comment c'est. Oh punaise, c'est de l'eau. Ou alors on a inventé un nouveau slime. Ouais. Mais c'est chelou. Ou alors j'ai une idée. Parce qu'on a mis de l'amidon de maïs. Mais ce qu'on met dans nos gâteaux quand on met de la maïzena, c'est de la fleur de maïs. Ouais. Et si on ajoute de la fleur de maïs, tu penses? Ça va pas trop marcher, mais je crois que ça va... Qu'on teste. Ouais. Monsieur, on improvise les loulous, hein. Oh là là. Oh là là, le carnage! Ça tourne au drame, hein. Ah, je crois qu'on a marché. Mais ça fait du slime, hein. Maman, on a marché. Tu sais le slime que je voulais faire? C'est le truc du slime. Ah, mais c'est trop bizarre. Je sais pas comment vous expliquer. Enlève les gants. Je sais pas comment. Regarde, en fait, quand tu serres dans les doigts, ça devient solide. C'est trop bizarre, les loulous. Ah ouais, je sais pas comment vous... Ah,
Ça se voit, mais je sais pas si ça se voit bien la caméra, mais quand on le touche, nous, c'est tout dur. Regarde, attends, il faut faire ça, regarde. On va en mettre sur la main de Loulou. Mets ta main. Ça colle. Et regardez pour l'enlever. C'est dur en fait. Tu comprends ou pas? Je demande à Loïc s'il comprend parce que je sais pas si on s'exprime bien. Bon alors attends, j'ai une idée. On a rajouté un peu de maïzena. Et regardez en fait comment c'est. On est d'accord? C'est dur, mais pourtant. Oh là là, c'est magique. C'est fou. C'est très dur. Et ça durcit dans la main. Pour vous montrer, hein, en fait, ça devient très très dur, mais vraiment. Et après, quand on ouvre la main, c'est mieux. Ça se transforme en slime. Bon, les loulous, vu l'état de la table, ouais. Je pense que l'on peut dire que ce premier crash test était compliqué, mais le résultat quand même, ouais, même si c'est pas un vrai slime, regardez. Je pense qu'on a inventé un slime magique parce qu'il est mi dur mi mou. Regarde, on fait une boule. Et là on ouvre, ça devient. Mais c'est tout mou et pourtant je peux pas l'attraper. Donc voilà, donc je pense vraiment qu'on a trouvé le titre de notre vidéo. Premier crash test, ça tourne mal. Ça tourne mal. Très très mal. Très mal. Donc si vous aimez ce nouveau genre de vidéo, dites-le nous en commentaire. En commentaire. On s'amusera à en faire d'autres, on cherchera d'autres idées pour vous faire plaisir. En tout cas, je pense que Loulou et moi on s'est bien amusés. Oui. Parce que Louane, elle attendait cette vidéo depuis super longtemps. Et donc voilà, donc si vous voulez d'autres recettes de slime ou autre, explosez le compteur des pouces bleus. On vous aime très fort mes gourmandises et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Mouah. Ciao. Slime. Yeah.